déterminé pour nous faire acte ça, parlement de travail législatif là pour faire, et au niveau du travail ça, nous pensons que c'est un élément fondamental là, toute difficulté politique et économique qui vient dans le pays, nous pensons que le problème de stabilité à ces moments qui est fondamental, et que nous-mêmes nous prenons responsabilité pour nous poser sur un avis. Donc, je ne parle pas de président de la commission au niveau du Sénat. Dans le départ, ce n'est pas le seul qui a passé. Mais le départ, véritablement, c'est d'ailleurs que nous dépassons et donnons en tant que homme d'État pour que nous soyons un amendement qui allait dans le sens de revendication de population, dans le sens le véritable problème que nous devons identifier véritablement. Donc c'est dans ce sens qui fait que je dis à nous de décider, en tant que mentalité de président de la commission, pour nous lancer officiellement les travaux de la commission. Ça va commencer évidemment par une restitution de travail. Chaque député a fait que ma députée salue à l'avance les membres de cette commission qui font un travail qui va venir de l'UA. Et pendant que nous obtenons le résultat, les États généraux sectoriels de la nation, pour permettre que nous chitons ensemble avec eux, nous recueillons les informations, nous analysons si les bagages ne sont pas tellement prenants en termes de démarches, nous ne pas sourire, mais si nous voyons que c'est des bagages qui peuvent nous quitter. Et à partir de ce moment, les sénateurs parlent bien de vue par et de voté pour permettre que le dialogue institutionnel là va commencer véritablement. Parce que le dialogue institutionnel là, c'est le même qui est plus important. Parce que d'après la Constitution, nous avons trois entités qui sont capables d'introduire l'initiative d'amendement, justement, chambre des députés, la présidente, et nous prêter nos initiatives d'amendement de la Constitution. Ce qui est important, c'est de jouer un consensus entre différents acteurs. Le consensus là, non seulement sur les motifs de l'amendement, qui ça nous veut amender, mais plus devant encore sur l'adoption de l'amendement. Des 31 ans d'existence de la Constitution haïtienne en vigueur, celle du 29 mars 1987 à Mandé, le 9 mai 2011. Plateforme Corée la vie, PKL Haïti se sent en danger et prévient de la nécessité de contribuer à l'éducation familiale et civile de la population haïtienne, d'apprendre aux citoyens haïtiens leurs droits et leurs devoirs. Un bref survol de la Constitution de 1987 à Mandé, le 9 mai 2011, permet à tout à chacun de comprendre que la Constitution est la règle fondamentale, la loi même sur l'organisation et le fonctionnement des institutions du pays, le niveau même de la société. Après plus de 31 ans de dictature féroce, de divaliers, le 29 mars 1987, soit une année après la chute de l'ancien régime, le peuple haïtien se voyait dans l'obligation de doter le pays d'une constitution dans le but de construire une nation haïtienne socialement juste, libre, plus équilibrée, démocratisée et politiquement stable. Les Haïtiens ont donc choisi à travers cette nouvelle orientation de rétablir un État stable et fort, capable de protéger les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance et la vision nationale. Instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité économique, la conservation des villes et des campagnes. Faciliter le droit à l'éducation, la santé, au travail et au loisir pour tous les citoyens et citoyennes, etc. 31 ans déjà depuis l'adoption de la Constitution de 1987, quels sont les projets, les progrès? Qu'est-ce qui a été fait ou effectué pour atteindre les objectifs? Le 2 mars 2018, la forme qu'on a vu de franchir une étape difficile et nécessaire. Faire comprendre aux Haïtiens, Haïtiennes, leurs droits et devoirs. Nos citoyens, nos constitutions. Et donc le thème choisi par la forme qu'on a vu pour célébrer cette importante date. Une véritable invitation à chaque Haïtien et à chaque Haïtienne à se procurer d'un exemplaire de la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011, afin de s'approprier des prescrits à leurs droits et devoirs. Est-ce que chaque Haïtien a une Constitution? Est-ce qu'il y a une? Est-ce qu'il y a un article ou tout article là-dedans?
Ces questions, ça, chaque monde doit de poser tête le matin. La femme pour la vie, que chaque haïtien commence à courir pour tes tailles. Plus aussi songer à démontrer, droit à devoir. Je remercie notre respect sur les médias, aux invités et nos frères et sœurs de la diaspora, notamment Mme Linda Jojo, directrice exécutive de PKL Outre-mer, et à laisser Philadelphia hier pour être avec nous ce matin à cette célébration. Oui, même aller la courir la vie de la production nationale. Citoyen, conscience, confiance, pour une Haïti libre et prospère, dans l'intérêt de tous et de toutes. Bonne célébration du 29 mars, bonne célébration de nos droits et de nos devoirs. Et la pollution, avocat, nous travaillons, nous avons le soleil là, nous avons le pardon, mais c'est pas la fin du monde, ça qui change. Nous croyons que nous avons le ministère. Je suis content de pour fêter 30 ans de la Constitution pays. Malheureusement, je ne suis pas même de la Constitution parce que l'État, le gouvernement, dirigeant pays, et mettez dans une situation où il y a deux constitutions. Je ne sais pas si je suis fonctionné, si je ne suis pas fonctionné. Donc, je dis carrément, je dirais, ce n'est même pas la commémoration de la Constitution, mais c'est plutôt la commémoration de discussion, d'interrogation, pour nous connaître même est-ce que ma constitution, pour nous connaître est-ce que ma fonctionne en bonne constitution, est-ce que le pays lui-même, la constitution qui organise, qui planifie. Et c'est institution dans le pays, je vous le dis, qui a fonctionné totalement sous égide constitution. C'est dire rapidement que son pays dragué, son pays équilibre, soit garder le pouvoir en place, façon à fonctionner, soit garder, par exemple, dans la rue, état de niveau sécurité dans le pays, soit garder aujourd'hui, et l'État haïtien n'a pas en mesure pour protéger les ressortissants pâles, pour protéger les citoyens. Nous avons gagné un événement passé là. Et nous avons demandé que pour ça le suspend, mais pour le suspendre, il faut que nous-mêmes, nous gardons Daniel Jean, nous gardons Mme Dumas, moi-même qui l'a, et tout le monde capte de nous, tout juriste, tout professionnel dans le pays, journaliste, pour nous dire non, dernier bagage qui va s'acquérir, par exemple, le photographe journaliste Vladimir. Nous demandons que pour l'État, pour le gouvernement, prend des dispositions peut-être que le trop tard pour nous amener Vladimir. Mais si au moins il était capable de justice, je pense qu'en esprit, nous avons amené lui, petit nous sommes contents, madame nous sommes contents, et haïtien dans lui-même, pour qu'on parle de quoi, une fois pour toutes, que nous avons qui veut faire notre pays, pour protéger le droit, pour protéger le monde, protéger la vie, même, pour que nous ne pas faire genre d'expérience ça encore. Qui est à la base de mon application constitutionnelle, ce que cette région souligne là? Bon, c'est ça qu'à la base, c'est que c'est le choix. Mauvais choix qui est toujours fait. Et choix que nous devons faire, nous garder bien, soit garder la majorité de monde qui est dans tête pays, ça, qui passe dans tête pays, ça, premier bagage que nous fait. Et on a dit que ce sont des formations culturelles, que sont la loi de Babylavel. Nous parlons de la loi de Babylavel, nous parlons de la constitution de Babylavel. Chaque mètre de notre propre logique, et le fait, pays, ça, tourner, une petite association. Même des associations, des associations locales, c'est pas pour organiser une société, pour qu'il des projets pour réaliser, mais sont associations de malfaiteurs. Tout simplement, pour les gens qui ont fait la loi avant, avoir, mais pour question piller pays, il y a là-dedans. Pour question baffer de la main, il y a là-dedans. Pour question violer liberté, même il y a là-dedans. C'est aussi simple que ça. C'est une barrière qui fait un peu paniquer, ça aussi, qui fait un peu peur. Parce que, vous tellement. Allez, nous t'a dit que tout le monde a déjà eu la part de. Je dis là, si nous t'a parlé de constitution, si nous t'a parlé de changer constitution, amender constitution, il faut nous t'a poser une question. Mais qu'est-ce que c'est constitution? Pour qui ça nous besoin constitution? Pour qui ça nous important dans la vie? Or, si nous te connais le nom, nous que nous avons utilisé, nous avons commencé à dire, hey, regardez, parce que si une constitution, on dit c'est un contrat. Le contrat, ça veut dire que c'est entre acteurs, nous décider, mais qui ça nous a fait. Et qu'est-ce qu'un acteur? Sur le plan national, ou des peuples, ou des mondes dirigés. Ou bien sur le plan international. L'ambassadeur, consulat,
autre ONG. Mais l'ensemble d'engagement que Haïti prend tout dans le temps. Donc, c'est ensemble de acteurs ça, qui dit notre espace ça, comment nous a fonctionné. C'est comme d'abord, oublier nos cafés dans la lumière rouge. Des lumières vertes, des lumières jaunes, des lumières rouges. Mais Carrefour, c'est lui-même qui organisait comment pour nous traverser Carrefour pour nous bacaser l'autre. Je dis là, personne, par contre, comment l'État organisé. Un bon exemple, M. Talam dit que les trois pouvoirs, il faut que trois pouvoirs, oui, nous te souhaitons dire que c'est trois pouvoirs indépendants. Mais nous te disons indépendants, c'est une fonction. On a exécuté la loi. Ce qui a pas appliqué la loi, on n'a pas appliqué la loi. Mais, il dit en même temps tout, il faut que pouvoir bloquer pouvoir. Il faut que pouvoir contrôler pouvoir. On a vivé dans le pays aujourd'hui avec un contrôle zéro. Et Constitution 87, là, il y a couché en mosquée, le Parlement n'a aucun contrôle. Donc, quel que soit le pouvoir, au bal trop pouvoir, il y a exactement la situation qu'il y a là. Au débat, le pouvoir exécutif, là, trop pouvoir, pendant tout régime du Valier, il y a couché ça au bal là. Ok, nous qui a parti, c'est pas je dis nous a parti, hein. Nous n'a parti parce que était une persécution politique. Nous n'a parti parce que pas de ensemble de pas de service au paquet social que était fri personne. Nous n'a parti pour t'en couper ton Cuba. Ma pose tête moi même question. On a battu l'estomac, on a dit nous fait ça va, nous fait ceci. Est-ce que c'est pas même dans logique faire nous partir ça parce que l'armée qui était bonne ou indépendance l'armée indigène là, il était trop révolutionnaire pour nous qui devons diriger les Isao, ou bien retour faire un parti à faire évoluer de l'autre côté, on va mourir de l'autre côté par merde. Et je dis, quand il a mis à faire mourir de l'autre côté là, je laisse là. Donc, poser problème à mode constitutionnel, ça veut dire qui ça? Qui ça nous voulait changer? Qui ça qui pas marcher, nous voulait marcher? Comment nous organiser? Je dis là, nous craignons que nous ne faire plus mal comme eux. Côté que chaque monde veut faire, chaque monde. L'organisation femme, qui sont à vous mettre dans la constitution? Mettez ça, ok, mettez ça. Et pour un mauvais patch qui fait que nous ne pouvons jamais appliquer encore. Je dis à nous un problème d'application, parce que c'est notre petit bloc fermé. Par exemple, non, pour la constitution, nous disons Haïti, c'est une république coopératiste sociale. Ça veut dire que depuis constitutionnellement, nous avons fait un choix économique. Renouvelons-nous contre ça parce que les voisins du Nord, oui, comment faire choix à ça dans la Constitution? La Constitution, on t'a de parler ton petit jamais. Qu'on est un abonnement fond de dame, le tiré social là, on était solidaire. Solidaire à quoi? Solidaire de quoi? Personne ne va connaître. Donc, on a tombé dans le même peuple là, côté que, on a fait marronnage, on a fait mettre dame, vrai acteur pour Chita ou pas sans Chita. Ou bien le chita ou pas jamais parler vrai parole pour parler. Et puis, c'est bon bagage qui n'a pas appliqué aucun côté. Et puis, nous avons bataille entre nous. Bagage la boule pile. Et puis, nous avons toujours pipov. Donc, il a ici avec amertume. Et après le 31e anniversaire constitution. Parce que je pense que je ne peux pas ici devant la rue pour voter en masse en faveur de la constitution. Le bagage l'a cherché. À travers la constitution, il a essayé et cherché. Société égalitaire, une société qui est à la justice sociale, une société côté que tout le monde doit sentir que il est attaché à un bout de terre qui s'est porté par eux, qui est Haïti. Je veux dire là, dans le contexte côté que il y a des gens qui ont velléité pour amender la constitution, après, soi-disant, un amendement qui a été fait en 2011, jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui comprennent les conditions de défaite. Et il y a même, soi-disant, une commission d'enquête qui coûtait investiguer sur les faux débats qui étaient faits en rapport avec l'amendement ça, juste à présent, pas comme journaliste, mais même pas jamais au courant de rapport aux commissions ça. Et puis, on a posé problème à notre constitution. Vous comprenez, la constitution, c'est une œuvre humaine, donc toute œuvre humaine est capable de demander pour changer, de demander pour modifier, de capable de demander pour disparaître. Mais, qui motivation? Qui a expliqué que jusqu'à présent, il faut que j'ai décidé d'appliquer la constitution? Parce que, la question c'est de tout. On va décider de prendre un petit calme lorsque pour régler affaire, pour aménager le pouvoir, il sera de pouvoir pour régler business ou et pour pas de problème. Par contre, et là on prend des chapitres fondamentaux dans la constitution. Côté que la constitution s'apprise, nous reconnaître que tout haïtien a un petit espace.
qui vivent dans conditions décentes. Leur constitution garantit droit à la santé. Nous dit que tout haïtien sous bout de ça a accès à la santé. Je dis, petit pays, nous-mêmes là, sur un problème de santé, par contre, du côté pour aller. Pendant que la constitution qui garantit droit à ça, la constitution garantit scolarité universelle pour tout le monde dans tout pays. Au niveau primaire, il y a accès à l'instruction gratis et puis pour l'État mettre tout matériel didactique à disposition. Est-ce que ça a fait? Constitution, demande participation de toute population dans toute grande décision de l'État à travers la décentralisation. Est-ce que nous qui sommes placés pour appliquer lieu, nous gagnons sur cette étoile permanente qui construit, qui sur base avec un mécanisme qui permet que tout le monde croit là-dedans pour organiser l'élection dans le pays. Pour l'élection suspendre fête dans le coquet, ouais, puis tout, pour suspendre la constitution source d'instabilité. Ça explique que 31 ans après, pour que les gens qui ont l'étoile permanente. Et puis je dis, on ne peut pas décider d'appliquer le minimum qui peut permettre que tout le monde. Et bien, vous croyez, vous rendez compte qu'il n'y a pas de bout de qu'il est Haïti, vous dites, nous avons amendé. Qu'est-ce que c'est que l'amendement? Bon, je ne connais pas. Sauf que nous connaissons que nous-mêmes, tout ce qui soit constitué dans le pays d'Haïti, nous marquons pas même volonté ça. Chaque groupe qui veut toujours besoin d'amender, ou de détruire la constitution. Mais pour ce bagaille, pour organiser, pour avoir plus de pouvoir, plus d'espace de pouvoir, ou bien pour équipe, clan, clique, de plus de pouvoir. Parce que comment imaginer que de 1905 à 87, nous faisons expérience 21 constitutions. Nous connaissons tout le régime politique qui gagne dans le monde. Nous connaissons la royauté, nous connaissons l'empire, nous connaissons le président Savoy, nous connaissons tout. Le seul bagage que nous connaissons, c'est que haïtiens rendent compte que le bon pays qui appartient à eux-mêmes n'est pas obligé. À coup qui te pays à jeunes garçons, jeunes filles qui finissent investis par un investi dans eux-mêmes, l'État investi dans tout. Que nous n'avons pas de place par dans le pays, ça c'est Chili pour aller, c'est un peu de Mécanique pour aller, c'est Brésil pour aller. Si que vous pas accepter faire n'importe quoi bagaille, peut-être je vais pas disposer. Je pense que ce problème ça proposé avant de poser tout le problème en rapport à la constitution. Consensus qui a développé une conscience, une prise de conscience qui a fait une nécessité que jeunes doivent entrer beaucoup plus dans l'action publique, dans la gestion en général, ceci à travers le monde, dans le mouvement de jeunes, ça, le regard aux États-Unis, ça a passé, jeunes impliqués dans des causes sociales. Donc je dis à la nécessité en Haïti pour que plus jeunes capables pas été en dehors d'une réflexion générale, une réflexion nationale, pour une prise de conscience d'abord de la nécessité de l'implication des jeunes dans la gestion de la chose publique avec jeunes, parce que ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les dirigeants de demain, donc autant depuis aujourd'hui, nous commencer à causer avec eux sur l'ensemble des responsabilités qu'ils auront. Selon nous, les jeunes n'ont pas intégré tout le monde en fonction publique. Malheureusement, non. Dernièrement encore là, nous avons des grandes responsabilités qui ont fait l'état des lieux de l'administration publique haïtienne pour dire que 90% des gens qui ont l'administration publique là, c'est des gens qui sont au-delà de l'âge qui l'ont été dans le toujours. Donc, il y a une nécessité pour un renouvellement au niveau de la fonction publique. Mais ce n'est pas seulement au niveau ça, mais au niveau des partis politiques tout. Nous avons des partis politiques plus que 30 ans, des gens qui ont plus de 60 ans qui l'ont été toujours. Alors, est-ce que nous avons un renouvellement de appareil en état, de appareil politique, de appareil société civile, appareil économique, tout pourquoi pas, pour que jeunes nous prennent plus de responsabilité et commencer pour ton vision à long terme ce pays. Parce que je dis à la l'Enamia de ça qui a passé à travers le monde, c'est des jeunes qui prennent responsabilité davantage. Donc même tout faut qu'on plus place à jeunes dans la responsabilité en Haïti. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour nous aboutir avec une telle démarche? Bon, c'est des politiques publiques qui doivent établir. C'est-à-dire qu'il faut que l'État, il faut que le Parlement vote des lois qui donnent des avantages à jeunes en termes de crédit bancaire, en termes de responsabilisation qu'il y a dans les fonctions de l'État pour qu'il soit capable de commencer à faire zamer. Parce que les jeunes, tout autant qu'on commence à être plus la prise de responsabilité, c'est plus maturité la prend, il la grandit, il prend une meilleure compréhension de la chose publique. Je regarde dernièrement là, il y a assez souvent ça fait dans la rue pour ces derniers jours, des étudiants qui disent, bon, mais mal l'école, on fait 4 ans d'école, nous disons mal l'école, mais après nous l'avons dit, nous allons faire un peu de monde. Si aller
l'école, c'est un devoir que nous avons, il faut qu'on aille, mais nous devons faire un travail tout, dans nos responsabilités. Nous avons des jeunes médecins haïtiens qui forment à l'étranger, ils ne sont pas tous en Haïti, ils ne veulent pas faire un job. Nous avons des jeunes qui ont quitté le pays, tout formé, qui veulent aller au Chili, qui veulent aller au Brésil, qui veulent aller ailleurs. Donc il faut que l'État établisse des politiques qui allument davantage jeunes. Et dernièrement, moi-même, je suis en lettre. Qui sont adresses qu'on fait à la jeunesse haïtienne. Les dix jeunes, il n'y a pas besoin de démissionner, il n'y a pas besoin de décourager. Il faut qu'ils engagent davantage une formation personnelle et individuelle, deux, l'engagement dans la communauté et enfin une réclamation de l'engagement de l'État. Ça fait exactement 31 ans de constitution. Une constitution que tout le monde connaît, c'est une constitution qui bat pour venir habiter, c'est une constitution qui est critiquée, on peut nous critiquer. C'est une constitution que la communauté a souhaité que l'amender, réviser, et même lui évoluer. Donc, nous trouvons que c'est la bonne occasion d'en parler entre nous, les universitaires d'abord, et des théoriciens, des étudiants, des décideurs. Et là, au secteur de la vie nationale, vous tentez effectivement, et vous parlez dans quelle mesure vous apportez quelque chose dans ce vaste projet d'application d'abord, d'amendement ou de réforme constitutionnelle. Alors, tout ceci se fait dans un cadre bien spécifique. Vous savez que l'université, dans tous les pays du monde, a trois missions fondamentales. La mission d'enseignement, c'est ce qui se fait dans la salle de classe que nous parlons là. La mission de recherche, ça, c'est la mission fondamentale, parce que pas d'enseignement de qualité sans recherche. Mais pas de recherche tout, sans la place et réflexion entre l'université, juriste et dans le secteur de la vie nationale, mais sur réflexion aussi qui doit restituer à tout secteur qui est intéressé, nous avons parlé de réforme constitutionnelle, nous avons engagé ça par le monde, nous qui est intéressé, la restituer sous forme de publication des actes de cette série de conférences. Et nous pensons que ça fait du bien. Nous faisons que dans le secteur de l'enseignement supérieur, tu as fait ça tout. En plus de l'université de l'université, l'université qui fait ça, le baron a dit, parce que tu as fait ça. Donc c'est vraiment important que tous les composantes de ce pays, et surtout les composantes qui ont domaine de l'enseignement et réflexion et recherche, de printemps pour profiter de cette occasion du 31e anniversaire de la constitution pour réfléchir sur ça et pour faire des propositions. Et c'est ça le but fondamental de notre démarche. Nous n'avons pas prendre une position de l'université sur cette question spécifique. Mais si on était là pour participer dans le débat, l'après, qui positionne plusieurs intervenants sur ce sujet, il a bloqué le débat. Donc nous préférons quitter chaque intervenant réfléchir lui-même et à travers les réflexions des intervenants, n'avoir toute position qui est plus ou moins dominante. Et nous avons fait une synthèse de différentes positions en faisant le focus sur la position de l'autre. Pour l'instant, nous laissons chaque intervenant avec la direction. Parce que c'est justement le concept qui sont évoqués, qui sont en train d'être évoqués même par le professeur et Caleb Bouzel. Qui a été, c'est des concepts qui ont été évoqués aussi par le professeur Saint-Louis, c'est des concepts qui vont être évoqués par d'autres intervenants, savoir est-ce qu'il faut appliquer la Constitution et découvrir ses faiblesses. Faut-il l'amender? Faut-il une révision? Faut-il une réforme? Faut-il enfin un changement de Constitution? Et nous voyons des positions en faveur du changement de Constitution. Et ça,
pas dit proposition, il a dit que c'est des positions articulées, des positions motivées, des positions argumentées. D'abord, le plus difficile dans le milieu, c'est quelle position qui est bon, parce que ça peut tout le monde parler, tout le monde discuter, et de cette discussion, c'est la synthèse. Du pays avec des amendements. Il y en a qui ont dans le pays, il y en a qui ont dans le pays. Et finalement, nous avons préparé à certains pays, comme la France, qui a appliqué encore la constitution 1958, la 5e République, comme les États-Unis qui a appliqué la constitution de 1776, etc. Et puis le pays, n'a pas dit Haïti, son pays, complètement biologiste, un pays constitutionnalisé, c'est-à-dire un pays majeur de constitution. Et puis il y a quoi, comme un État, apporter une solution au problème du pays. De même, ce n'est pas une vision, ce n'est pas un amendement, et ce n'est peut-être pas le plus une réforme qui va changer la situation. Constitution, que des moyens de l'habiter et d'habiter pour les inhabités, tout ça va établir. Ça qui vient pour avec Douamoun, le développement de Douamoun, le respect, la promotion, pour faire respecter Douamoun. Donc, je me veux dire là, nous réunions pour nous remettre, pour nous faire une sorte de remise de certificat avec une formation qui est par le biais de succès jeunesse qui est dans l'organisation CELA. Donc, nous remarquons que je ne veux dire, et avec le développement de nouvelles technologies, de l'informatique et de la communication, eh bien, il y a un peu de jeunes qui, jusqu'à présent, accès à la technologie, pour eux, c'est un luxe. Or, selon les grands savants de le domaine de la justice sociale, avec la 5e génération des droits de l'homme qui ont inventé, donc, je dis que, une fois que dans un état où l'accès à l'informatique, aux technologies par un luxe, eh bien, c'est une violation immédiate de ce qui est voulu avec Douamoun. Donc, nous-mêmes, au niveau de structure jeunesse au CADEV, eh bien, nous organisons un séminaire et une formation qui déroule. La jeunesse au CADEV, c'est en réussite. Après 8 semaines, nous avons un peu de jeunes qui ont participé ensemble avec nous. Et je dis, hein, c'est une grande victoire pour nous faire remise certificat ça. Déjà, et tout, d'après que nous menons après 8 semaines de formation, tous les jeunes sont satisfaits de intervenants, de formation de ce volant. Déjà, c'est une satisfaction pour nous. Et nous comptons sur eux, nous avons relancé encore pour les mêmes gens encore pour nous faire une victoire pareil. Merci. Oui, dans la structure jeunesse au CADEV, c'est la première fois que nous faisons un séminaire pareil qui dure 8 semaines. Mais nous avons habitué à faire l'activité déjà, mais nous n'avons pas aussi long. Mais c'est la première fois que nous avons réalisé une activité pareille. Qu'est-ce que ça a choisi pour participer à la société? Bon, j'en
été fait pour les jeunes participants, c'est notre couche ambassadeur là, qui a fait toute démarche pour les jeunes intervenants qui correspondent avec l'activité hein, pour nous réaliser l'activité. Ça. Effectivement, jeudi, c'est 29 mars. Ça fait déjà 31 années côté que le peuple haïtien est descendu pour voter une constitution dans un référendum 29 mars 1987. Pour que l'été coupé fâché avec une série de pratiques dictatoriales. Et jeudi, nous réunis là, effectivement, pour que nous capables d'attirer l'attention l'ensemble de la population sous nécessité qui gagne aujourd'hui pour nous gagner un nouveau contrat social, c'est-à-dire une autre constitution. De juillet 1801, les Toussaint Louverture te prend la première constitution pour que l'été géré l'île entière. Et de aujourd'hui, ça fait nous déjà 25 constitutions que nous passons. Et là, nous garder ensemble 25 constitutions, nous rendons compte que c'est toujours des constitutions au service de la politique. Et je dis à nous estimer que nous avons un plaidoyer qui fait un plan. Ça veut dire, je dis, nous avons besoin d'une constitution sociale qui visait la société, qui visait les gens. Et parce que l'expérience que nous gagnons à travers nos constitutions, nos 25 constitutions, mis à part quelques rares constitutions, c'est des constitutions au service de la politique. Donc je dis, ça bat nous comme conséquence, ça bat nous comme résultat de un pays qui déchirait, un pays de la misère, un pays côté presque tout transféré, tant qu'on l'enfer. Donc c'est pour raison ça, je dis, on a attiré attention population, hein, puisqu'il y a un projet d'amendement de la Constitution de 1987, nous pensons qu'il est opportun, il est important pour que nous attirions attention jeunes qui là pour nous dire. Pendant que je dis à occuper des affaires, si vous avez un cadre légal national qui n'a pas porté, ça n'est capable de revendication moment, je dis à la, les nous garder par exemple des avoirs jeunes et groupes, les nous garder, je dis ça nous relève le fléau du moment qui c'est la corruption, les nous garder, je dis modèle de pouvoir de contrôle que nous gagnons aujourd'hui, allez nous garder le Parlement. Donc nous estimons donc en dedans de notre constitution, faut nous prévoir de quoi faire pour que nous capables de coup et résoudre problème social que nous gagnons dans le pays. Donc sinon, c'est pour ça que nous réunis aujourd'hui avec l'université Okila, avec Jonio, avec les responsables d'organisation de Basio, pour que nous commencions à plaidoyer pour nous dire faites attention parce que si nous quittons, donc nous avons une constitution encore politique, donc nous avons encore des résultats politiques, mais nous n'avons pas gagné des résultats sociaux. Donc c'est l'objectif de Samte Kababrele, une causerie et débat que nous avons là avec Jonio et avec l'organisation pour nous voir comment nous sommes capables d'attirer l'attention de la commission chargée donc de éventuels amendements constitution pour nous qui ça nous capable faire donc pour Haïti capable de prendre la voie donc de un état qui sous de un état de droit ou état social côté que ça je nous dis l'objectif constitutionnel préambule de pour que nous capable arriver à un pays vraiment fort, un pays stable, un pays prospère côté que n'a vivre tant qu'frère avec ça sous mon terre que papa Dessaline t'est mouri qui était pour nous toutes là. Quand que nous avons organisé dans l'occasion centenaire, nous, alors unité route là en dans mouvement scout là. Alors unité route c'est une dans trois unités que mouvement scout là a gagné, mouvement qui était créé par Bedem Pourel en 1907 et puis en 1918 il était venu créer unité route là. Unité route là qui c'est jeune qui a 23 ans. Donc activité ça son activité n'a fait son activité mondiale que lié mais nous même dans centre 3 Port-au-Prince centre 3 district Port-au-Prince centre 3 nous fait activité ça pour nous capable marquer centenaire là dans juridiction PAN.
maintenant au cours de l'activité centenaire, qui est différent et activité que nous comptons entreprendre jeudi? Ensemble des activités que nous avons pour nous entreprendre aujourd'hui à l'âle, qui c'est 29 mars, nous avons une conférence qui a fait là sur la constitution. Nous avons appris mieux qu'on connaît la constitution un peu. Et puis, apprendre mieux qu'on connaît droit à tout, nous avons devoir que nous avons. Parce que jeunes dans la communauté route, là, imiter ça, c'est des jeunes que nous avons préparés à la vie d'adulte. C'est ça qui fait thème nous qui c'est jusqu'au bout des sentiers. Ce sont des routiers, donc ils sont là pour nous servir. Il faut que nous connaissons droit à eux, côté droit à commencer, côté fini, pour capable de servir la communauté là, bien. Et après, qui ça nous compte entreprendre et comment nous engouement et jeunes scouts pour participer dans le genre d'activité que nous faisons là? Engouement jeunes, c'est un bagage extraordinaire parce que y a tout routier net, ils ont toujours manifesté une grande volonté pour venir participer dans l'activité ça parce que ce n'est pas une activité qui est facile. Comme c'est centenaire, nous l'avons marqué. Donc, ils ont manifesté une très très bonne volonté pour venir. Ils ont venu, ils ont enjoy, ils ont appris un peu de bagaille. Donc, je pense que c'est une activité qui est vraiment fructueuse pour les jeunes routiers, non seulement dans la communauté route, là, dans le groupe, dans le district, et qui est utile pour le pays. Devise scout là, c'est être prêt à servir. Alors, il y a un jeune qui entre 12 ans et 17 ans, jeune ça aussi scout, unité par la troupe, et puis il y a un jeune qui pipiti de 8 à 12 ans, unité par la meute, devise aussi de notre mieux, mais unité par nous, qui c'est la communauté route, qui a fêté centenaire à Nessa, à travers le monde, devise par. Donc, il y a là pour servir dans la communauté, pour évoluer, pour travailler, dans toute activité que vous faites, vous toujours gagné des vies sanaires, même en dans le cœur, pour servir. Et bon, de par devise scout, nous connaissons que c'est dans le volontariat que fonctionne. Le scout ne prend rien pour argent, et le scout n'a pas jamais pris l'argent pour faire rien, et comme tu as dit plutôt, comment nous, de nos jours, engouement aux jeunes pour inscrire dans le mouvement et scoutisme? Eh bien, jeune plaisir gagné dans le mouvement scout là, c'est servir. Jean devise dit là, servir, être toujours prêt pour en retour, rendre service sans pas besoin de rien en retour. Et bien, c'est fraternité ça qui permet scout yo toujours familiariser yo avec mouvement scout là. Parce que une fois que vous connaissez que c'est pas un bagage à faire pour l'argent, donc papa gagne gros mais pour une jeune plus l'argent, l'autre l'argent moins l'argent. Donc tout le monde c'est à faire c'est avec cœur, c'est avec nous à faire, avec amour que y a fait lui. Et bien, vous mettez tout eux même la bonne pour le faire et c'est un meilleur travail lorsque qu'on a fait un bagage, c'est pas pour nous à faire, moi à faire pour cœur, à faire pour bon Dieu, à faire pour pays, parce que les ça on fait le plus bien dans le sens que pas tant en lien en retour. Donc c'est motivation ça qui est jeune qui fait entrer en dans mouvement scout là et faire mouvement scout là prêcher bonne nouvelle Jésus-Christ à travers toute activité que vous faire dans le milieu communautaire là avec l'autre jeune. Parce que nous avons un membre de scout que nous avons qui enregistré dans le district et dans la zone ça. Alors pour quand que nous fait là, nous avons environ 70 jeunes qui ont participé dans quand ça là, mais pour district gagne environ 8 groupes là dernier, nous gagne environ près de 600 jusqu'à alors entre 7 à 900 jeunes qui enregistrés dans district. Et même ça dans le temps, est-ce que vous allez modifier ou bien c'est toujours de même? De jour en jour, chaque année, la augmenté. Bien que il y ait des jeunes qui étaient là avec nous, soit pour les réseaux pour l'autre, soit qui voyageaient, ou bien leur activité personnelle, ou pas à continuer, mais toujours il y a l'autre qui vient remplacer, qui vient faire que le chiffre est toujours qu'il dans district pour amélioration et progression jeune en dedans district. Son sentiment de joie est parce que normalement groupe scout là li centré sur fraternité, donc li permet que chaque scout qui dans district il est plus fraternel. Et puis dans jour qui 29 mars là qui cap commémorer centenaire groupe et routier dans scout là, et puis pour constitution dans son moyen pour nous connaître constitution, bien que dans le groupe là nous avons des règlements des lois par nous qui pas trop distinct de constitution normalement loi pays. Qui donc ou même en tant que jeune initiative ça ou applaudit et que vous retrouvez la donne? Oui, nous tous, moi maman parle pour distraire, nous tous avec un sentiment de joie, nous
embrasser et idée ça qui réunit nous toutes là pour nous commémorer centenaire route là dans le monde spécialement en Haïti. Et vous même en tant que scout de nos jours, comment comprendre le mouvement ça, le mouvement scout, comment ou même en tant que scout dans la société, ensemble avec les jeunes qui font même gens ensemble avec vous, comment nous comprendre peut-être dans la société? Nous vivons dans une société comme si qui a qui géniaux, il y a le plus voir avec l'autre activité qui n'est pas jeune. Et pour marcher sur le droit chemin et puis former tête nous de jour en jour et aider servir la population hein, et puis payer à tout. Nous songeons longtemps et on scout était toujours des bâton, un code de tout ça, on sifflait parce que tradition, pour moi-même, m'estimer que n'est pas de mise, n'est pas même genre, mais comment comprendre ça et... Tradition toujours là, ce qu'on a supposé d'un bâton et puis tout siffler côte. Normalement, moi c'est routier, donc je me suppose qu'un bâton fauché qui indique que moi fais des pas routiers. Donc, je suis venu dans un camp routier, parce que c'est pas tout routier qui fait des pas routiers. Tout ça fait nous pas nous un bâton. Mais ce qu'on en général, tout, toujours un bâton, on en a avec quoi pour bagarre. Mais nous connaissons que yon bâton, yon code, yon scout, yon pile bagay pou ka fè. Est-ce que vous capable de dire à tes spectateurs, auditeurs Radio Télé Guinée Cap Gado Tando là, qui ça, qui quelque action que vous capable de faire avec un bâton, un code et tout ça? Avec code là, vous capable de réaliser yon système scouteur qui c'est brûlage, ou capable de faire étape, ou capable de faire chaise. Ça va dépendre de quand, si son camp technique, ou capable de faire chaise, ou capable de faire table, ou capable de faire ou capable aider secourir le monde. Bâton c'est l'ami fidèle du scout. C'est bâton supposé. Bâton c'est on repart pour ce scout là. Avec bâton, il y a une certaine force qui est là-dedans. Donc c'est tout balance qui entre dans toute constitution de loi scout d'Haïti. Je veux que nous commençons déjà à travailler avec eux, puisque nous avons plus de 15 ans comme animateur scout. C'est d'abord faire comprendre que en tant que citoyen ou bien futur citoyen, citoyenne, vous gagnez des devoirs. Et que faut que vous connaissez que à côté des devoirs que vous gagnez, vous gagnez des droits. Donc vous n'êtes pas capable de revendiquer les droits que vous gagnez, tant que droit à l'éducation, droit à la santé, etc. Sans que vous n'avez pas fait devoir comme citoyen qui sait respecter la constitution, respecter la loi qui est dans le pays, respecter bien l'État avec l'argent de l'État, etc. Donc c'est ça le message d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas un message d'aujourd'hui, puisque dans le système de progression scout, qui est le programme d'éducation que l'animateur a gagné pour faire avec les jeunes, l'idée est ça là-dedans, côté d'apprendre. Déjà depuis la fait promesse côté lui dit que lui engagé pour respecter promesse que le fait lui engagé pour servir pays lui engagé pour respecter la loi scout mais à côté de la loi scout lui engagé tout pour scout continuer à faire chaque samedi ou bien dans chaque activité que vous gagne avec jeune. Un message pour toutes jeunes et Cap Gado et Cap Tando là sur le mouvement ça qui avantage pour capable de gagner ou capable de joindre si toutefois vous avez décidé d'entrer et faire partie du mouvement et scout en Haïti. Mais ça met à tout jeune qui a gardé là, c'est penser à intégrer même pour un an, deux ans en vie, le mouvement scout parce que yo pas pour être la bénéfique pour yo en pile parce que moi nous sommes exemple parce que moi actuellement c'est m'a dit nous c'est avocat c'est grâce à scout parce que scout la peut que me dégain caractère que me former me gagne un objectif mais un sens de responsabilité pour me braler me dégager pour me arriver là. Donc nous on est tous jeunes yo entrer dans mouvement scout là qui a bon pour nous mais puisque c'est pas obligatoire non même qu'on va entrer dans scout mais printemps comme je disais c'est 29 mars c'est anniversaire constitution pays noir li constitution gardez ou même qui soit doué faire pas toujours demander qui ça pays
a fait pour mais garder même comme jeunes qui sont capable faire pour pays qui contribution capote c'est pas penser seulement à pratiquer parti qui te pays mais garder comment quand mettre nous ensemble pour nous bailler ça en l'autre visage et mouvement scout là dans ce travail là fait il c'est une possibilité dans ce sens ça pour aider à pensons l'autre gens pour aider à fixer objectif ou et aider tout à atteindre objectif qu'on vise dans la vie pour venir vraiment citoyen responsable honnête et heureux ici qui donc ce scout là il fonctionne à caractère spirituel et social on est capable de dire c'est à caractère spirituel social éducatif non politique mais surtout nous développer aspect intellectuel la cajonio aspect social la cajonio aspect spirituel la cajonio affectif etc. Récession chaque 3 mois. Yon azek 5000 goud chaque 3 mois. Et parfois, yon même rive jouen li tant kou depuis janvier 2017. Jusqu'à présent, ministère intérieur Québec compte ancien azek ak délégué Villio Nomel. L'en considéré. Nous voyons Lyon prêter serment en janvier, pardon, en juin, s'il vous plaît, 2017. C'est après ça, hein? Nous pas autorité encore. Intérieur de nous, une session que Lyon pas jamais voulu payer. Nous demandons, ministère intérieur, payer l'argent. Là, nous considérons. Loi cadre pour fonctionnement collectivité devant Parlement, ils n'ont pas jamais voté. Parce que c'est dans mes collectivités alliées. Magistrats, Kazek, Azek, et délégué ville. Pas oublier, nous écrit président pays, ministre intérieur. Directeur général intérieur et directeur collectivité ministère intérieur. Sous dossier ancien élu, nous ne pas dit rien. N'a posé tête nous question. Est-ce que comme ça yo pas débloqué déjà? M'a demandé parlement, sénateur député. Pour voter loi cadre sur collectivité territoriale là, ça va permettre bon genre de décentralisation pour jeunes garçons et jeunes femmes nous suspendre quitter le pays à pas bonne pas paquet pour être en humiliation dans ma blanche et verte. Eh bien, nous choisissons Jean-Jacques Dessalines comme monument qui permet de nous gommer parce que bataille à Sanel, c'est bataille collectivité. Et bataille seulement n'a fait pour nous toucher comme nous devons nous. Mais son bataille n'a fait pour collectivité, pour remembrer que collectivité a. Deuxième question là, nous pas en fonction depuis juin 2017, parce que la loi dit, c'est élu qui remplace élu, mais élu a, et pas après élection, l'élu c'est après pour certains serments, il est devenu autorité établie. Mais après l'élection, le poko élu, c'est l'élu prêté serment. Ils sont élus, mais le poko autorité. C'est l'élu prêté serment, c'est l'ESA, c'est autorité établie. De 29 janvier 2017 à juin 2017, nous-mêmes, ASEC, DV, KAZEC, magistrat qui était toujours là, nous étions toujours en fonction. C'est l'élu prêté serment et l'ESA, ils n'ont pas de nous encore.
Mairie prend même prétexte là. Mairie prend même prétexte là, c'est la prétexte mairie Port-au-Prince qui doit assez agrévé. Il va jamais les payer sous prétexte de l'intérieur. Nous disons, ils ont bien compté, ils ont mal calculé parce qu'ils ont payé nous. J'ai oublié. C'est 29 mars 2018 et lycée Pétion a marqué 200 ans anniversaire à la mort d'Alexandre Pétion. Et nous n'avons pas dit que ce n'est pas un bagage qui fait beau bruit dans ce que nous remarquons. Mais nous-mêmes, dans le lycée Pétion, eh bien, nous tenons à faire des jours ça, un jour extraordinaire parce que eh bien, nous sommes élèves, professeurs, direction, membres direction, qui ont l'école que Pétion a fait pendant que lui-même était président. Il faut nous dire que c'était un rêve que Jean-Jacques Dessalines a gagné, qu'il n'a pas été réalisé, un rêve que Toussaint a gagné, qu'il n'a pas été réalisé, mais un rêve que Jean-Jacques Dessalines a gagné, qu'il n'a pas été réalisé, et finalement, c'est le président Pétion qui a arrivé à réaliser le rêve ça. Et je dis, si nous avons célébré, eh bien, nous avons dit la mort Pétion, 200 ans, la mort Pétion, il faut nous faire référence rapidement avec lycée Pétion, qui nous sommes fêtés 200 ans depuis lycée Pétion existé, 2 ans qui se passent là, en 2016. Il fait lycée, et tout ça, c'est gagné, qu'il n'a pas du temps réalisé, que Dessalines est gagné, qu'il n'a pas du temps réalisé. Et ce n'est pas seulement lycée Pétion qui était bien à la projet, qui était plus loin de la projet toujours, mais c'est pendant lycée Pétion, l'école nationale, ça, qui n'était pas porté dans lycée Pétion dans le temps, mais qui était porté dans l'école nationale, qui était porté dans le lycée national. Et par la suite, il y a eu un lycée Pétion, parce que Pétion était venu mourir, et normalement, donc c'est lui-même qui était fondé, il était porté dans l'école. Fallons dire que l'éducation, c'est un bagage qui était porté en plus d'importance. La constitution de 1816 ans, eh bien, il était proclamé enseignement primaire gratuit. Ça veut dire que depuis un petit moment de l'école primaire, eh bien, l'État fait pour mettre l'école bagage gratuit pour lui. Pétion a tout le bagage positif que Pétion fait. Malheureusement, il n'a pas parlé de lui, il a plus parlé de bagage négatif. Il faut dire que dans sa politique étrangère, je veux dire, le peuple haïtien en général a bénéficié à vivre des bagages positifs que Pétion fait sur le plan et des politiques étrangères, et surtout avec l'Amérique latine, nous avons parlé principalement avec Venezuela. Simon Bolivar, que Pétion, qui nous a dit accompagné pour qu'il fait bien, l'histoire rapporte que Pétion a envoyé 2000 à 4000 fusils, plus nous avons dit munitions avec Simon Bolivar. Tandis qu'il y a un problème économique, la PIA, pendant qu'il a dirigé. L'histoire rapporte également que Tébaï, ça nous a capable la presse pour être capable de faire économie de l'Union dans l'armée en général. Donc il fait Simon Bolivar cadeau et la presse pour qu'il soit capable d'imprimer papier pour faire guerre là. Ensuite, il dit que Simon Bolivar Tébaï 2 500 000 francs à Simon Bolivar. Le Pétion finit tout bagage avec Simon Bolivar. Simon Bolivar dit avec Pétion, pour tout bagage au Cuba, qui ça nous va, qui ça nous même nous capable de faire. Il a demandé l'argent, il a demandé le bagage, il dit, tout pendant que nous fait la guerre, tout côté que nous guérons, guerrier, permet que l'esclavage aboli dans la zone ça. T'as oublié, Simon Bolivar, t'as gourmet, c'est blanc qui t'a gourmet, lui-même c'est blanc, il est tout. Il t'a gourmet pour blanc. Mais à l'intérieur de vous, mais ça c'est un gouvernement blanc, on peut commander pour que nous capables lui-même, tout côté qui est gagné, guerrier, permettre l'esclavage aboli, pour que pas de l'esclavage. Le moment, ça, les États-Unis étaient gagnés indépendance, mais pendant les États-Unis étaient indépendance, c'est gagné aux États-Unis, c'est gagné l'esclavage à gagner. Donc c'est pour montrer que Pétion, eh bien, levé flambeau sur la table, eh bien, Haïti en haut dans toute Amérique là. Non pas exemple Venezuela, mais dans toute Amérique là. Donc même nous voulons montrer que Pétion,
il n'y a pas seulement des bagages négatifs que parler de lui-même, mais des bagages positifs que tout le monde a fait et que je veux dire, on a célébré la mort de Dieu, donc nous voulons célébrer le autrement. Actuellement, quand on a parlé là, nous avons une conférence de Kabaye dans l'auditoire de Messia, côté du professeur Raphaël qui écrit un texte, ok, qui titre Gare sur Alexandre Pétion et les constitutions de 1816 et 1816, eh bien, c'est un professeur Sassou Salam dans l'ICA qui fait présentation ça. C'est Pétion. C'est Fondation Pétion. Qui jusqu'à présent, comme on dit que l'institution ça a des problèmes, etc. Mais cependant, il fait partie de l'institution qui prouve que le pays a aidé son pays qui gagne en allure démocratique. Parce que le président n'a pas compris que c'est Pétion qui était initié le Sénat de la République. Donc, bon, ensemble de bagages que Pétion lui-même était fait et que nous n'avons pas parlé de nous-mêmes, donc nous connaissons que nous avons des négatifs et ceci rallier la nation entre nous-mêmes et les problèmes que nous avons depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui.